Et on est parti dans ce match de la deuxième journée de la Boon Premier League entre No Brain et Saupure. Du coup, c'est Saupure en bleu et No Brain en rouge. Donc No Brain, comme vous le voyez, pas de Sacrier. Donc ils ont joué leur ennemi. Ça me plaît la meilleure pause, oui. Ah, salut à toi, Baba Orom. Ah, y a eu trop de messages pendant le jingle. Je n'arrive pas à lire tout le chat parce qu'il faut que je mette les logos. Vous avez les prédictions en cours, du coup. Maintenant, vous connaissez les compos. Vous pouvez miser. Alors, du coup, en bleu, c'est Saupure. Et en rouge, c'est No Brain. Ok. Donc, ça fait No Brain, Saupure. No Brain, Saupure. Hop là! Bonsoir à toi, Baba Orom. Et bien évidemment, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez vous payer les émotes de vos guildes. Enfin, uniquement si vous êtes de No Brain ou Saupure, bien sûr. Aïe, ah, yeah, je lis plus le chat. Ça spam un petit peu pendant le jingle. J'essaie de remonter. Pas fan du cra en PVP multi. Oh, en 4v4, ça se fait. Quel est le problème avec le sacré? Je ne répondrai pas à cette question. Ah, il y a des gens qui aiment bien l'intro. Oui, la pose de Simplet qui fait parler d'elle. Ouais. En fait, plus il y a de membres dans l'équipe, plus le cra est intéressant. Bah, déjà, l'œil de taupe plus le buff PO, c'est quand même super intéressant. Parce que vu que t'as 4... c'est une équipe de 4, donc t'as forcément des persos qui vont être affectés par le kick de PO ou le don de PO. Oh là là, commencez pas dans le chat bleu, s'il vous plaît. Vous avez les prédictions en cours, d'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez encore miser vos PVtons. Je cutterai à la fin du tour de Lucky Jock. Nice, c'est le FK en plus. Chez Retro PVP, on aime bien les FK. Et oula, j'ai raté des follow. Merci Vive les Cotorep et merci Tarnosa, pardon. Et merci Simplet. Je ne joue pas ce soir malheureusement. Ouais, voilà, si on dit qu'on aime pas les FK, bon. Voilà, on est viré de rétro PVP, donc bon, on évite de dire qu'on n'aime pas les FK. Cette classe horrible qui ne fait que poser des glyphes et mettre des boucliers. Et donc du coup, le Yop est toujours pilier chez Saupure. Parce que quand vous jouez pas le Sacri, vous jouez le Yop, et quand vous jouez le Sacri, vous jouez pas le Yop. Donc Simplet est vraiment le pilier de Saupure en fait. Bon, en tout cas, on va passer un petit peu sur les compos. Donc, c'est des compos assez différentes. Il n'y a que le Kra en commun. Pas de Panda pour Saupure. Donc, la stratégie, elle est claire hein, pour Saupure. Hein. C'est tir éloigné, coop, corrup. Ah ben, oui, Simplet est pilier de Saupure. Vu qu'il y a le Sacri et il n'est pas là. Et quand le Sacri n'est pas là, c'est Simplet qui joue. Donc c'est un pilier. Puisqu'il ne joue jamais avec le Sacri. Un pied de chaise. Ah, un pied de... Oh, ok, bah... un pied de chaise alors.
Pilier de bar. alors, c'est normal. Oui, No Brain n'a pas de sacré, mais c'est normal. C'était attendu. Et du coup, bah, ils ont été contraints de jouer leur Eni. D'ailleurs, alors, le panda, du coup, en 18. Donc, il n'y a rien de bien accès. J'arrive plus du tout à prédire les stuff. Avec les... Maintenant qu'on voit les restes des boucliers, il faut que je réapprenne tout, tout à zéro là. Avant, on ne voyait pas les restes des boucliers. Ok, c'est parti. Je cut les prédits, les amis. J'espère que vous avez fait vos choix. Et voilà la Kawot Coop Transpo. Voilà, on met bien à profit nos 12 PA. Et on a Coop. Ah, ouais. Ah oui, j'avais pas vu Lenny. Oh, mais c'est une dinguerie. C'est Lenny jouant tout dernier du coup. Mais je pense qu'il s'y attendait. Et comme je disais, nos Braids ils sont contraints de rush évidemment. Parce que sinon, bah, ils vont perdre leur Lenny trop facilement. Parce que là, Lenny se fait corrup. Lenny se fait corrup. Il va se faire bourrer par le Kra et les K. Ouais, je pense que leader... Oh, sérieux, il avait une grosse PO, leader. Il doit avoir peut-être un Dofusivoire. Bah, sinon, j'ai pas regardé pour les prédits. Faut que je mette les pourcentages. Donc, c'est du 54-46 pour No Brain. Ok. C'est serré, quand même. Je pensais que No Brain aurait plus de votes que ça. Ok, donc là, on va tempo le rush de No Brain avec cette petite pelle animée. Et c'est vrai qu'elle bloque bien le Kra. Alors, la dispé, on décale le Kra ennemi. Et je vois pas trop ce qu'on peut faire. Peut-être, ouais, Imo... ok, non. Imo... Ah non, juste on charge la punie et on met une destru. Je pensais qu'il avait tenté des immo plus une cinglante pour empêcher le crâne d'être au corps à corps de Lenny. Et voilà, maîtrise, ouh, maîtrise de l'épée. Et c'est une loponaise qui est sortie. Ouh. Ouh là 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 là, ça met des gros gros jets là. Ce pauvre Lenny. Momolo sont du coup qui se débuff. Alors. Là, je vois pas trop comment... Oh, ah oui, oh, bien joué, bien joué, bien joué. Mais, ok, ouais, Lenny joue. Lenny a déjà joué. Donc ça va être un petit problème pour le debuff. Et là, Leka sort une roulette debuff. Imaginez. Attendez. Oh là là, la Rakné majeure qui passe. Et là, je pense que... Oh là, le chauffeur fou qui passe aussi. Et là, je pense que c'est game. Hein. Je pense que c'est game. Et voilà, Lenny qui est debuff. Plus de puissance sylvestre. Après, il fallait s'y attendre avec un EK. Un petit trèfle. Et on a une bonne chance sur deux de sortir l'arachné majeur. Alors, le Sekri qui va lancer ses châtiments. Forcément, il n'a pas pu lancer un seul au tour d'avant, vu qu'il a tout utilisé pour Kawot, Coop, Transpo. Ok, châtiment osé, maîtrise des marteaux. Donc, probablement un Sekri à Lugarto. Alors, le panda, du coup, forcément, qui va continuer son rush. Là, c'est le débarquement dans les rangs de Saupure. Oula, doucement dans le chat. Soyez pas agressifs comme ça. Merci Ultra Cano pour le follow, merci beaucoup. Alors, on a mis le Doppel Pandawa. Alors, regarde, je sais qui va jouer. Numéro 10 dans le chat. Salut, who's next? Et on continue de taper Steny avec une loponaise aussi pour Lenny. Ça crit pas, mais bon, Lenny, il est quand même mal en point. Après, je pense pas qu'ils arriveront à tuer Lenny avant son tour de jeu, donc il va pouvoir se reconstruire en toute logique. Quoique,
Il y a Kraika qui joue là. Et le Leka, c'est vrai qu'il a passé son tour à mettre une arachnée majeure et un chat faire fou. Donc on n'a pas vu de quoi il était capable, Steka. Ok, bon, tu l'as fait avant moi, Baba Orom. Alors, du coup, bon, avec ce qui s'est passé dans le chat, j'ai un peu raté ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu que. Ok, 13, donc il vient placer quelques flèches. Et, ok, Khan n'a plus de PM. Et donc, du coup, il, voilà, il va. Imo plus, plus dispé pour revenir au corps à corps et continuer de taper avec. Ouais, mais je pense que Lenny va tomber là. Lenny là, il va tomber. Il n'y a plus de la puissance sylvestre. Il n'y a plus la puissance sylvestre. Le Sadi, je vois pas ce qu'il peut faire. Ah, mais il est gonflable. Là, il faut rush. Il faut rush à tout prix. Oh, ça, c'est pas mal. Bon, après, c'est un Eka. Ah, peut-être un arbre, une kawotte. Ok, c'est pas mal. Et là, il y a la Rekne majeure. Ouais, ça va être un peu compliqué quand même pour l'Eka. Oh, il y va au recop. Et il y en a quand même deux surtout qui passent. Oh, attendez. Attendez, mais il va se faire tuer par l'arachnée majeure. Il va se faire tuer par l'arachnée majeure. Oh, le jet critique de l'arachnée majeure. Et il va pouvoir se recon. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable ce qui se passe, mes amis. Et du coup, voilà, il peut se recon. Il est full vie, Lenny. Oh là 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 là, il va lâcher la preuve. Ok, non, il va taper avec son marteau. J'ai pas vu. C'est Anugarto. Il veut se débarrasser de ça. Oh, l'arachnée majeure qui survit à 23 HP. Oh, aïe, 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 aïe. La douleur partagée sur les cas et le cra. Baba qui dit qu'il veut plus jamais miser sur quoi que ce soit. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a quand même un ennemi qui est en danger. Il a plus son cooldown de reconce. Et avec toutes les invoques qui est autour de lui, on n'arrive pas trop à aller le taper. Oh là 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 là. Alors, le panda, il a 11 PM, il peut vraiment aller rejoindre... Alors, il peut pas vraiment sauver son ennemi. Mais il va faire un petit peu le ménage. Rien n'est joué, rien n'est joué. Alors, on balance le Sacri. Alors, il va sûrement vouloir débuff le crabe, voilà. Oh, ok, ça crit pas, mais ça débuff quand même. Ok, ça débuff pas. Toujours pas. Il a plus de... Ah, oh, il a plus d'essai. On a pas débuff les cas. Mais au moins, on a débuff le crabe qui avait une maîtrise de l'épée. Et qui avait encore la maîtrise de l'arc. Ok, on vient snipe la gonflable. Maladresse sur Momo l'ourson. Il va du coup perdre plus de PM que ça, puisqu'il n'y a plus la gonflable. Et une maladresse de masse. Une quand même bonne sagesse sur Grincheux. 152% d'esquive. Oh, la boîte de Pandore qui EC. Ok, qui donne les critiques. On tentera un chafer sûrement. Plus tard, si on en a l'occasion. L'appel qui n'est pas vraiment là, qui ramène le Doppel. Leader qui... non, pardon, on est à 13. Qui perd 2 PA à cause de la retraite... Pardon. Je perds mes mots. De la maladresse de masse. Il a aucune ligne de vue sur Lucky Joe, à moins qu'il aille par là-bas, mais... Oui, non, mais... voilà, je suis perdu. Il va taper les gars. Ok, la flèche punitive qui était chargée. Je galère à lire le chat en même temps, c'est pour ça. Alors, Kalan, qui a été debuff, qui a plus la maîtrise de l'épée, est-ce qu'il va continuer à taper le Lenny? Ça crit pas. Ok, ça crit. Alors, c'est vrai que les dégâts sont quand même moins impressionnants que tout à l'heure sans les buffs.
Regarde, Momo l'ourson. Une bonne. Bon. Il rend ça gros correct en critique. Et je pense pas qu'il soit full terre. Alors, sûrement l'herbe folle qui va partir. Ok, non, on continue à taper avec des ronces. Et la surpuis. Sacrifié. Ok. On essaye vraiment, du coup, d'étouffer Saupure. Et Saupure, au final, qui se retrouve un peu pris à leur propre piège parce que. Ok, ils ont coop transpo, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à tuer les nids. Et là, ils sont totalement submergés par le rush de No Brain. Alors, un petit bluff, puis des coups de Kukrikura. Ah, les nids qui se retrouvent mid-life. Et ils devraient tenir. Et cette fois, pour ce tour-ci, pour le tour 6... Ses alliés ont réussi à le rejoindre et donc ça va pas du tout être la même. Cette ennemi ne va plus être en 1v4. Ouh, par contre, il perd 3 PA de la maladresse de masse quand même. Alors, on invoque le lapin. Voilà, on lâche la prêve, le curatif qui crit, donc ça nous remet quand même pas mal. Et on, voilà, avec le lapin, on dépasse les 2000 HP. Leader, du coup, il est un peu loin. Alors, il... Je pense pas qu'il... Ah, il a le retour, oui, il a le retour de coop transpo. Il va transpo Sakawat. Il va se mettre le plus loin possible pour coop... Alors, qu'est-ce qu'il peut coop? Il coop le panda. Il coop le panda et c'est très, très bien joué. Après, le panda a beaucoup de PM. Et on se retrouve, du coup... Alors, on passe d'un 4v1 à un 4v3, mais c'est toujours à l'avantage de Saupure. Et leader, ouais, bon... Attendez, mais leader... Attends... Il a pas le tir éloigné, là? Attendez, attendez... Il l'a perdu à ce tour-là, c'est pas... Non, il devait avoir le tour éloigné, il l'a plus, je pense. Parce que vu... Ah, quoique... Je sais pas, parce que tour 1, il a vraiment coop de très loin. Sûrement un petit... Ah, il avait... Bah, il avait pas tir éloigné. Je sais pas si je vous fais confiance ou pas. Mais c'est vrai que tour 1, il avait coop de très très loin. Sûrement un Dofus Ivoire là-dedans. Alors on vient... Ouh, le... L'appel fantôme qui passe du premier coup et donc on arrive à enlever la prêve assez facilement. 6 PA maîtrise de l'épée et c'est une Loponaise, on l'a vu tout à l'heure. Oh, et le panda qui se fait encore plus éloigner par l'appel. Ah mais oui, du coup, attendez, l'appel à cause du chasseur lancier qui utilise deux fois son sort. C'est vrai qu'il est en Dragodend, ouais. Mais ça se trouve, il a une prune tout court. Hein. Après, oui, c'est vrai qu'il a l'initiative, donc peut-être une amande prune. Avec ivoire plus rasboulaire, voile d'encre. Alors on me dit qu'il est à la lopo, mais il me semble pas qu'on l'ait vu taper à la lopo le sécri encore. Mais bon, je veux bien vous croire. Du coup, quand même, ce crack il met des bons dégâts. Et on continue de défoncer Lenny avec ses coups de loponaise. Alors, il passe quand même, il est quand même vite redescendu Lenny. Ouais, il avait maîtrise marteau, il me semble, le sacré, mais il a pas, il me semble pas qu'il l'ait utilisé son marteau, donc je sais pas. Allez, Momo l'ourson. Bien tapé avec son champ manique, mais pas de critique malheureusement. Donc les dégâts sont assez faibles. Oh, on y va au recop. On y va au recop, on veut finir cette ennemi. Oh, le bluff crit qui passe, ça y est, l'ennemi est fini. Il avait survécu, il aurait pu utiliser un mot d'altruisme pour essayer de survivre un tour de plus, mais là c'est plus possible. Ça y est,
Saupur a enfin réussi à tuer Steny. Et ouais, les cacs a fait un sacré tour, hein. Il a mis des bons recopes, un bluff crit. Et du coup, leader le sacré qui va sustain sa team. On attire le cra et on va les faire tomber un par un. Et on vient un petit peu gêner le panda. Avec une petite... Ok, bon, l'épée volante qui va finalement sur le Sadie. Et là, ouais, là, c'est vraiment compliqué du coup pour nos brains. Alors, le panda, je ne sais pas prononcer son pseudo, c'est Fatek, j'imagine. Donc, on va l'appeler Fatek. Fatek qui, du coup, vient passer des souillures sur Leader. Et qui se fait des buffs du premier coup. Pourquoi c'est Leader qui se fait un petit peu éloigner? Il a plus la transpo, il a plus la coop. Alors, Grincheux tente le chaffeur. Voilà, il avait réussi à passer la boîte de Pandora crit il y a quelques tours, donc il tente le chaffeur. Malheureusement, ça passe pas. Il a des invos sur le Wasta, évidemment. Et on va essayer de l'éloigner un petit peu, ce Wasta. Et le focus est tout trouvé pour Saupur. On veut défoncer ce Kra après avoir tapé Lenny. Montrer les restes du sacré, oui. Ouh, c'est vrai qu'il a des faibles res, hein. C'est vraiment un stuff optimisé porté. Et merci Mangek pour le follow, merci beaucoup. Alors, Mrs. 13. Je dis Mrs, mais en fait, il n'y a pas de R, hein, donc c'est MS13 en fait. Il est un petit peu dans la sauce. Il va falloir sortir des bons dégâts. Mais le problème, c'est que du côté de Saupur, tout le monde est full vie en fait. Mais un petit œil de taupe pour régénérer un petit peu. Et c'est une Kukrikura FM Terre. Il serait pas en Bilreol le sacré. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que c'est possible, hein, parce qu'il a très peu de res. Et puis il a énormément de portée. Et puis il avait l'initiative. Oui, l'anneau l'amour, c'est sûr à 100%. Ok, des bons coups de l'oponaise encore. Et 13. Qui commence à perdre beaucoup de points de vie. Il reste plus qu'un quart, plus qu'un tiers plutôt de ses points de vie. Comme l'ourson qui perd 2 PA de la maladresse de masse, qui est obligé de libérer en plus parce que le sacré lui a fait. Enfin, le doppel sacré lui a fait des pieds du sacrieur. Donc, il lui a volé de l'agilité. On ne prend pas le risque. On vient placer une petite herbe folle. Et on tape sur cet Eka Flip. Alors. C'est vrai que l'Eka, il commence à perdre un peu d'HP, mais bon, c'est un Eka, il a la chance d'Eka, il y a un sacré en plus avec lui. Ça paraît difficile à tomber quand même. Alors, c'est Eka qui place des recopes incroyables et des bluffs incroyables aussi. Oh là 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 là. La frappe qui fait jalouser Grifox, là, clairement. Et là, c'est du 4 contre 2. Pour Saupur, il vient chercher sa première victoire petit à petit. Et on me dit que la frappe est le meilleur Eka du serveur. En tout cas, il démontre que c'est pas un Eka qu'on peut négliger. L'attirance qui échec critique sur Ken. C'est vrai que Ken est un peu excentré. Donc là, le but de nos brains, c'est de faire un kill pour essayer de minimiser les points perdus à la différence de kill. Mais c'est vrai que, comme on voit dans le chat bleu, ça part sur un 4-0.
Ça a l'air d'être de partir sur un 4-0. Je pense pas que Nobrain va réussir à faire un kill là. Ok, la frappe qui est debuff. Ouais, ça crie à le vol d'encre. Et il n'y a pas de Nimibiote sur ces maps là. Donc il a forcément le vol d'encre. Ah là là, la petite blague, t'es trop curieux. Alors, la corrupte qui est relancée, c'est Momo l'ourson qui en fait les frais. Pauvre Sadi qui ne va pas pouvoir jouer. On essaie de debuff la picole. Ah, tu refais le stuff sur Facebook. Du coup, Kalan va forcément devoir libé ou dispé s'il veut aller au corps à corps de Momo l'ourson. Voilà, la libé. Ah, mais c'est pas une... Ouais. Ok, bon, il attaque le Doppel. Maîtrise de l'arc. Et ouais. Maîtrise de l'arc sur un caca de ligne. Ça fait beaucoup de dégâts. La frappe qui va du coup utiliser deux bons du... Oh non, même pas. Il va y aller au recop encore. Ok, ça y est, cette fois, ça ne passe pas. Il a encore un essai. Est-ce qu'il va le tenter? Non, il va juste mettre un chaton. Ok, c'est un sacrifice. J'ai eu peur à un moment. C'est un petit sacrifice sur... Alors c'est vrai qu'il y a la rigole, mais oui, il a dû toucher l'Eka et les nus. Et le Doppel, du coup. Parce que du coup, ouais, on est tour 9. Donc le Sacri, il a récupéré Coop Transpo... Vidréol, Gaminzot, Chevelu, L'Amour, Mention, Rasbou, Kimbo et Voile. Donc c'est ça ta prédiction sur le stuff de leader. Après, oui. Mais c'est vrai qu'il a énormément de portée. Genre, c'était incroyable au tour 1. Parce que moi, je pensais qu'ils allaient donner l'initiative au Kra pour lui faire un tir éloigné avant, mais même pas. Ils ont pu coop dès le tour 1. Et sur cette map, ça pardonne pas. Hein. Allez, on se débarrasse du Wasta. On essaie encore de debuff la picole, mais on n'y arrive pas. Hein. On n'arrive pas à debuff la picole sur le panda. Et bon, à ce stade-là, ce n'est que du détail. Oh là là, ça crit, ça crit. Momo l'ourson qui va pouvoir jouer. Il a passé le tour de la corrupte. Là, il n'y a aucune cible intéressante hein, pour Nobrain, pour essayer de faire un kill et sauver l'honneur. Et ne prendre que moins 3 à la différence de but, ça me paraît très 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 compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi, LC Boone, je suis bien d'accord avec toi. Momo l'ourson, ouais, qui tape avec son champ panique, qui fait ce qu'il peut. En tout cas, je suis content que Nobrain joue jusqu'au bout avec ce qui leur est arrivé. Oh là là, les recopes qui passent. Oh là là, les trois recopes qui passent. Et Momo l'ourson qui se retrouve à 100 HP et qui risque de se faire tuer par un chaton.
Oui, rhizome, j'ai dit champ, my bad. Oui, oui, c'est un rhizome, c'est un rhizome. Et du coup, leader qui se tape lui-même pour ce petit puni. Allez, il va tuer la flamiche et il va pouvoir punir Fetak. Patek plutôt. Une punition à 800 sur du 50%. Et Fatek qui joue probablement son avant-dernier tour. Je sais pas s'ils tueront ce tour là. Je pense qu'il leur faudrait un tour de plus. Ouh, la maîtrise des marteaux, et c'est un Nougarto qui profite du coup du sacrifice. Ouais, malheureusement il peut en mettre qu'un. Un choc qui vient chercher la diagonale sur Fetak. Merci curieux, merci à toi. Ah, mais on n'arrive vraiment pas à enlever cette cette tête picole. On avait plus de critiques sur sur des chaffeurs et des arachnés que sur des pelfontos ce soir. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que 50% de résistance ou pas, ce panda va tomber dans les tours qui viennent. Oh, on tente un chaffeur, on veut flex. Et on tente aussi l'arachné, et même cet arachné ne pourra pas débuff. Patek est sous picole et il le restera toute sa vie. Mais sa vie ne durera plus que quelques minutes. D'ailleurs, qui vient de taper avec son Nougarto. On se posait la question sur son cas, qui c'est bien un Nougarto. La dérobade qui était lancée, sur qui a-t-elle été lancée? Sur lui-même. Et Fatek, voilà, qui joue son dernier tour de jeu cette fois. Ah, on n'arrive pas à Flemish sur leader. Alors, il va picole. Allez, Grincheux, est-ce que tu vas taper ou est-ce que tu vas encore tenter tes Pelfanto? Ah, est-ce qu'il peut? 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, mais il peut venir là, il peut venir là, n'importe quoi. Allez, allez. Oui, bravo! Bravo, Grincheux, bravo à toi, on est tous très fiers de toi. Alors maintenant la question c'est comment on va finir Patek. C'est Kalan qui a l'embarras du choix. On va simplement se décaler et lancer une flèche. Ou est-ce qu'on va trouver quelque chose d'un peu plus original? Et il passe son tour. Et on veut laisser le dernier kill à la frappe peut-être. Pour le féliciter de ses magnifiques recopes. Ça lag là. Et là, toute l'équipe de Saupure Déco. Et c'est NoBrain qui gagne. Il va libé sur le chaffeur. Et il a libé sur le chaffeur. Bravo à Saupure. Bravo à Saupure.
C'est vrai que nos brains n'avaient pas de sacrieur, mais quand même.